Cela blanchit les dents et supprime tout le tartre en seulement 5 minutes, sans avoir besoin d'aller chez le dentiste. Vous serez sans voix quand vous verrez les résultats de ceci. C'est pourquoi je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, parce que je vais vous expliquer étape par étape comment vous devez faire. Par ailleurs, si vous êtes intéressé de prendre soin de votre santé buccale, même de votre peau, cliquez sur la clochette pour activer toutes les notifications pour toujours recevoir nos nouveaux contenus. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Dites-moi votre nom et de quelle ville, de quel pays est-ce que vous me regardez. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Mes amours, je voulais savoir si vous aviez entendu les gens parler de ces merveilles et des avantages du charbon qui font blanchir les dents. Beaucoup d'entre vous se demandent si ça fonctionne vraiment. Si vous voulez découvrir le secret de ce produit et les différentes façons dont vous pouvez l'utiliser, obtenir un sourire éclatant, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. D'abord, dites-moi dans les commentaires. Dans quel état se trouvent vos dents? Est-ce qu'elles sont blanches? Est-ce qu'elles sont jaunes? Est-ce qu'il y a du tartre ou même avec la carie et des trous? Quelles sont les astuces que vous avez testées jusqu'ici pour soigner vos dents? Ont-elles toutes marché pour vous? Le charbon est un ingrédient naturel qui est utilisé de génération en génération dans les cultures orientales. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que c'est l'un des meilleurs moyens de blanchir les dents et d'enlever toutes les tartres naturellement, malgré leur couleur noire. Son effet blanchissant est presque immédiat. Et c'est d'ailleurs pourquoi les grandes multinationales de la cosmétique et des soins dentaires aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle du charbon activé et le vendent super cher. Et c'est bien dommage parce que vous pouvez l'avoir en utilisant simplement du charbon de cuisine. Avant de continuer, rappelez-vous de partager cette vidéo pour que ça touche un maximum de personnes ou qu'ils découvrent comment est-ce qu'ils devraient utiliser le charbon pour blanchir leurs dents. Pour cela, vous n'aurez besoin que d'une cuillère à café de charbon végétal naturel. J'insiste par contre sur la qualité du charbon qui est d'origine naturelle. Vous aurez ensuite besoin du bicarbonate, une cuillère à café, du jus d'un demi-citron. Pour la préparation, bien mélanger le tout. Mode d'application. Une fois que c'est bon, trempez votre brosse dans le mélange et brossez-vous les dents naturellement. Donc brossez bien les dents de haut en bas. Hein. Vous faites bien comme d'habitude. Une fois que vous avez bien brossé vos dents, laissez le charbon agir pendant 5 minutes. En étape numéro 3, il est très important de bien rincer la bouche avec de l'eau tiède pour enlever les restes de pâte de charbon. Hein. Vous faites des gargaries, vous enlevez bien tout ça. C'est pas la peine d'avaler tout ce mélange. Comme vous avez pu le voir, ce produit naturel est facile à utiliser pour blanchir les dents. Utilisez ceci autant que possible, juste à ce que vous soyez entièrement satisfait des résultats. Pour ceux qui n'ont pas de charbon, si vous êtes en Afrique ou autre, vous pouvez remplacer par les cendres, hein, les cendres du foyer de cuisine. C'est exactement la même chose et apporte exactement les mêmes résultats. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ceci et qu'en avez-vous conclu. Si vous avez d'autres astuces ultra performantes qui fonctionnent aussi bien, n'hésitez pas à partager cela avec nous via les commentaires. Pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes. Abonnez-vous en cliquant sur la clochette de notification, likez et commentez. Bisous bisous!